Bonjour, mes fans Élise et mes présidents. Comment vous allez? Moi, ça va. Particulièrement aujourd'hui parce que figurez-vous que ma chaîne YouTube a été signalée par une autre chaîne, par quelqu'un d'autre qui dit que j'ai fait genre sabotage de son produit. Écoutez, je voudrais vous rappeler que les produits que je présente comme étant des mauvais produits, je ne suis pas là pour faire la chasse aux sorcières. C'est vous qui m'envoyez les produits, c'est vous qui m'envoyez les images. Et si vous vous rappelez bien, certaines personnes m'envoient des images et moi je leur dis, je n'arrive pas à lire, donc je ne peux rien vous dire. Je ne connais même pas, si vous n'avez pas de site internet pour ces produits, je ne peux pas me prononcer dessus, je ne connais pas. Parce que je ne suis pas là, je n'ai pas que ça à faire. Je ne suis pas là pour chercher qui fait quoi, quel produit et comment et tout ça machin. Non, si vous m'envoyez un produit, je vous donne mon avis. Si je ne peux pas vous donner mon avis dessus, je vous dis, je ne peux pas vous donner mon avis dessus. Donc, et je vous ai dit, certains produits, c'est juste à vue d'œil qu'on peut savoir que c'est un bon produit ou pas, parce que certaines informations sautent à l'œil nu, d'accord? Et aussi, on m'envoie des messages en commentaire, genre, je peux faire la prison. Avec quoi? Des youtubeurs? Je ne sais pas si vous réfléchissez souvent. Hein. Il n'y a pas de fabricant sur YouTube, d'accord? Il n'y a pas de fabricant sur YouTube parce qu'aucun laboratoire ne viendra s'asseoir chaque jour pour faire une chaîne YouTube pour vous dire que voilà, il faut acheter, voilà le produit qui fait quoi. Vous avez vu qu'un laboratoire sur YouTube, arrêtez un peu, réfléchissez quand même. Nous tous qui sommes sur YouTube là, il n'y a aucun fabricant parmi nous, ok? Aucun. Parce que pour être un fabricant ici aux États-Unis, il faut être enregistré. Si vous n'êtes pas enregistré et que vous fabriquez des produits, c'est la prison que vous risquez. D'accord? On se comprend bien. Donc, si quelqu'un s'assoit sur YouTube et vous dit qu'il fait des produits, et puis voilà, c'est un produit qui a été fait par un laboratoire, machin, patati patata, quel que soit ce qu'il va vous raconter, sachez que c'est vous qui êtes en danger parce que nous qui vendons là, tous les vendeurs, je n'ai pas mis un, j'ai retiré l'autre, j'ai dit tout le monde. Si je vous dis moi, je ne suis pas parmi, vous allez dire, oh, donc toi tu penses que tu es exceptionnel. J'ai dit tout le monde donc. On se fiche pas mal des clients. Okay. Tout ce qui intéresse les vendeurs, c'est leur poche à remplir. Et donc, si vous suivez les gens, parce qu'ils vous font, ils vous donnent des paroles mielleuses, ils vous font croire ce que vous voulez entendre, c'est vous qui, c'est votre santé que vous mettez en jeu, c'est votre peau que vous mettez en jeu, parce qu'au final, qui va perdre? C'est vous. D'accord? Vous allez perdre, nous, on va remplir les poches. Ok? Donc, quand je dis ça, je dis c'est valable pour moi également. Parce que si je vous dis une chose, posez des questions aux personnes qui vous disent des choses, poussez, soyez curieux, n'acceptez pas juste parce que Richard White a dit que machin, non, faites des recherches, je vous dis toujours ça. Moi, mon objectif, ce que j'essaye de faire, c'est qu'on essaye de retrouver ensemble les produits qui sont bons sur le marché, parce qu'il y en a plein, mais il faut les connaître. Donc, vous, vous faites votre expérience, vous partagez, et puis on sait, ok, celui-ci est bon. On le met, celui-ci il est mauvais, on le met de côté et tout le monde en profite. Je ne viens pas avec un produit prototype que voilà les meilleurs produits sur le marché avec, comment dire, voilà, il n'y a que ces produits qui sont bons sur le marché. C'est pas ce que j'ai dit. Il y a beaucoup de produits qui sont bons que moi je ne connais même pas. Donc vous venez avec votre expérience, on partage et voilà. Maintenant, si il y a un produit que même moi-même j'ai présenté et qui n'est pas bon, même avec votre expérience à vous, on peut savoir ensemble que non, ce produit, il ne va pas à X parce qu'un produit peut marcher sur X, il ne marche pas sur Y, je vous ai toujours dit ça. Je n'ai pas le monopole de savoir. Si il faut être idiot pour persister et dire que non, non, tu as raison sur toute la ligne, non, tu peux avoir tort, tu peux te tromper et c'est comme ça. Donc, il n'y a pas un seul produit où je vous dis, voilà, le résultat c'est 100% fiable. Tous les produits, même certains produits que je vous présente et je vous dis non, il y a toujours, ça ce sont des bons produits, ça ce sont des bons produits. Je dis toujours, ça peut marcher pour X, ça ne marche pas pour Y. Donc, ne vous faites pas berner, ne vous faites pas raconter n'importe quoi. Parce que moi je veux vendre, je vais vous dire tout ce que je voulais entendre et puis vous allez acheter. Et c'est vous qui vous mettez en danger, bref, vous comprenez un peu. Donc, et je vous dis, ici aux États-Unis, on ne fabrique pas les produits dans la chambre, on colle les étiquettes et on dit, moi j'ai un laboratoire ou bien je travaille avec des laboratoires experts, machin. Tout ça, c'est faux, ok? Après, si vous voulez acheter, ça veut dire que tout simplement, je fais des laits composés. Si je me mets à faire ça, ça veut dire que je fais des laits composés. Composés avec quoi? Personne n'en sait. Personne n'en sait rien. Et je voudrais aussi profiter pour laisser un petit message, puisqu'apparemment, vous suivez mes vidéos. Je voudrais vous dire une chose.
Si vous signalez encore mon compte, j'espère pour vous que vos produits sont enregistrés et que votre entreprise est enregistrée. Parce que c'est avec les autorités que vous aurez affaire. Parce que moi, ce n'est pas sur YouTube que j'irai reporter votre compte. Ce n'est pas sur YouTube que j'irai vous signaler. J'irai signaler votre entreprise aux autorités et vous allez prouver où votre entreprise existe. Moi, je n'ai pas d'entreprise, donc je n'ai rien à craindre. Je ne vends pas de produits, je ne suis pas distributrice, je ne suis personne. Vous êtes des gens, vous avez des noms, vous avez des entreprises, vous avez des laboratoires. Vous allez donc justifier où sont vos laboratoires et qu'est-ce que vous mettez dans vos produits. Parce qu'on ne fait pas ça aux États-Unis, ok? On ne s'assoit pas dans sa chambre, on fait une vidéo YouTube et on dit moi j'ai un laboratoire, j'ai un produit avec des labels très sûrs, machin. Non mais attendez, on va où? Et vous qui achetez ces produits, ça vous regarde, hein? C'est votre problème. Moi je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez acheter. Achetez ce que vous voulez. Après cette vidéo, courez, allez acheter tous les produits que vous voyez sur Internet. Est-ce que c'est sur moi que vous venez utiliser? Non. Ok? Vous ne m'empêcherez pas de dire ce que je pense sur un produit. Ok? Chaque fois que je recevrai un produit et que j'imagine que je fais les recherches, ce sont des recherches très logiques. Il n'y a rien que j'invente. On fait ça ensemble. Je vous montre comment je fais. Ce n'est pas comme si je prends un produit, je m'assois là, je vous dis, vous avez vu ce produit? Il est faux, ce n'est pas un bon produit. Non. Je vous montre pourquoi je pense que ce produit n'est pas bon. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Parce qu'après tout, c'est votre argent, c'est votre peau, c'est votre santé. Ce n'est pas la mienne. Ok? Donc, qu'on soit clair là-dessus. Maintenant, les produits que je vous propose. Il y a des gens qui me contactent, ils me bossent, ils me posent leur problème. Quand je leur propose un produit, ils me disent non, non, moi je ne veux pas ce produit parce qu'il ne me va pas, je vais essayer, ça ne me va pas. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas tous les produits qui vont à tout le monde. Je peux présenter un produit et qu'il est bon, mais il ne va pas forcément à tout le monde. C'est ce que je vous dis, il n'y a rien de 100%. Ok? Donc, je voudrais faire cette vidéo pour, essayer d'éclairer ce petit point-là. Ok? Je ne suis pas là pour faire la chasse aux sorcières. Moi, je ne connais pas les youtubeurs, je ne les connais pas. On m'envoie souvent des vidéos genre il faut regarder. Je ne regarde pas les youtubeurs. Je ne suis pas les gens qui font des chaînes et tout ça, machin. Moi, je ne les connais pas parce que si vous rappelez bien, chaque fois qu'on m'envoie une vidéo ou bien une photo pour me dire tu connais ces youtubeurs, tu connais cette youtubeuse, je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Et je ne veux même pas les connaître parce que je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis une vendeuse. Je vous ai déjà dit ça. Je suis une vendeuse. Je ne suis pas là. Quand tu vends, tu as une boutique, ton voisin a sa boutique. Ok, on s'est dit bonjour voisin, ce que tu fais dans ta boutique, ça n'engage que toi. Mais si quelqu'un prend un produit dans ta boutique et vient me dire, qu'est-ce que tu penses de ce produit? Est-ce que je sais que ça sort de ta boutique? Moi, j'en ai rien à foutre. Je vais lui dire, ok, écoute, moi, je pense que ce produit, il n'est pas bon du tout. Je ne veux pas savoir d'où ça vient. Ok? Et c'est un peu ce que je fais. Si vous avez vos vendeurs sur YouTube ou bien je pense que tous ces gens-là, je ne sais pas où vous prenez les produits pour venir me montrer. Moi, je ne veux même pas savoir. Prouvez juste que votre produit est fiable, ce dont je doute très fort. Vous faites des laits composés tout simplement et assumez. Vous faites des laits composés. Dites que vous faites des laits composés et que vous collez les labels. Il n'y a rien de mal à ça. Tout le monde fait. Il y a beaucoup de personnes qui font des laits composés, n'est-ce pas? Donc, vous avez un laboratoire, prouvez-le. Vous n'avez pas de laboratoire. Vous n'êtes même pas distributeur. Vous fabriquez ça dans vos laboratoires. Et quand on le dit, ça vous choque pourquoi? Ça ne devrait pas vous choquer. C'est la vérité, la stricte vérité. Ok? Moi, je vends des produits, ça ne m'appartient pas. Et les gens peuvent les acheter où ils veulent. Moi, je n'ai pas de laboratoire, je ne suis pas distributeur, je ne suis rien. Vous fabriquez des produits dans vos cuisines ou bien vos toilettes et vous mettez n'importe quoi dedans ou je ne sais même pas ce que vous mettez dedans. Et puis, vous vendez aux gens, vous leur dites que c'est un laboratoire qui les fait. C'est faux. C'est tout ce que je suis en train de dire, ok? Donc, assumez comme moi, j'assume. Hey guys, how are you today? So, I just want to let you know that my channel was reported. Because of a video that I made about some fake product that I presented, and because people send me the products, they send me pictures and ask me what I think about it, and I just give my opinion. So I'm not there to say this is a fake product or this is a good product, but what I want you to know is that there is no manufacturer on YouTube, and you will never see a laboratory on YouTube saying this is the product that I'm making, okay? So if anybody is on YouTube and saying that I'm the producer of this product, it means that person is making a fake product. He's just making a mixture that you don't know and you don't know what is inside. And anybody can do that. Whether he do it in his bathroom or his kitchen, it's dangerous.
and it's also illegal in this country. And I keep reporting my account and say that I'm going against your products. I'm just going to report you to the authority because you're going to explain how you're making those products and where is your laboratory and where is your company. So anything that people tell you on YouTube, you have to verify the information. Don't just accept everything, even the information coming from me, you have to verify. Don't say, Ricky White say, this is correct, this is like this, and then you just go for it. No, you have to verify because people don't care about you. People don't care about you, they care about your money. They care about what you give them, okay? So, and it's your health, okay? So you're gonna play with your life, you're gonna play with your health, and then they're gonna fill their pocket with your money, and they don't care. Because if it doesn't work for you, they'll say, oh, well, I'm sorry, it didn't work. And if you have a problem, oh, I'm sorry, it didn't work. Because they have the disclaimer for everything. They're not responsible of anything. People who sell stuff online, they say they're not responsible of anything. That doesn't tell you nothing. So be careful of what you're buying online. Be careful of what people are saying on YouTube. And I'm not a YouTube follower. I'm not a YouTuber. And I'm not following nobody on YouTube. I don't know nobody on YouTube. So if you ask me, because people used to ask me, do you know this YouTuber? Do you know this person? I don't know them. So I don't know those products. People send me products and people send me pictures and say, can you tell us if this product is good or not? And I give my opinion and I will keep giving my opinion. Okay? So just wanted to let you know that, guys. And be careful, because your health is more important than the money that you're spending. Okay? Thank you.